Rennes qui retentit dans ce stade du Pré-Fleury. La dernière action donc de cette première période avec la tentative de droit peut-être pour Joris. Second servi par Paul Poisset. Et ça passe entre les perches pour Joris Second qui vient une nouvelle fois et toujours à l'entrée des 22. En difficulté pour extraire ce ballon et donner de la vitesse au jeu. La tentative de drop pour Joris Second. Et ça va passer entre les poteaux. Belle initiative, encore une fois, des Aurillacois récompensés par ce très bon jeu au pied. Aurillac a eu de mettre son ballon avant finalement de le conserver au sol. Et la tentative de drop à venir pour Joris Second continue à optimiser les choses et avec encore beaucoup d'efficacité, Joris Second qui vient à nouveau inscrire ce drop et qui permet à Aurillac de revenir un tout peu. Des Aurillacois qui progressent et qui pourraient pourquoi pas se mettre à nouveau en position de tenter un drop pour Joris Second qui semble avoir parfaitement trouvé la mire hein, dans cette rencontre jusqu'à présent en tout cas. Et ça va passer à nouveau entre les poteaux. Incroyable, le quatrième drop dans cette rencontre pour Joris Second et un drop qui permet à Aurillac